Alors, mesdames et messieurs les Ciotadelles, chers amis de notre belle ville, c'est avec joie que l'Escolo de la Ribe vous accueille ce soir dans ce magnifique cadre pour animer cette fête traditionnelle des vœux de la Saint-Jean. Le 21 juin correspond au jour le plus long de l'année. Célébré par les peuples païens, il était l'occasion d'allumer un immense feu de joie symbolisant la lumière du soleil. Dans la nuit du 23 au 24 juin, une coutume ancestrale veut que l'on allume un grand feu de joie à la tombée de la nuit, réunissant autour de sa lumière tous les habitants d'une ville ou d'un village. Alors un petit mot pour vous dire que je suis toujours heureux d'être parmi vous, et puis pour fêter nos traditions. C'est important. Savoir d'où on vient, c'est important. Même si on n'est pas né ici, en Provence, je crois que quand on s'y établit, eh bien, on a à cœur de promouvoir les traditions provençales. Et ça aussi, c'est important, c'est ce qui fait le lien entre nous. Alors, on est à La Ciotat, mais la paroisse, c'est La Ciotat Céreste, donc je vais y associer aussi tous les Cérestins, même si depuis 1429 et 1675, cher monsieur, on n'arrête pas de leur grignoter des terres. Et je crois que... Et oui, mais c'est la tradition aussi. En tout cas, je vous remercie d'être venus très nombreux pour assister à cette fête, parce que c'est une fête, la fête de la Saint-Jean, mais c'est aussi une reconnaissance pour tous ceux qui œuvrent, d'abord pour la langue provençale tout au long de l'année, et ensuite pour maintenir les chants et les danses de notre jolie Provence. Donc merci pour tout ce que vous faites, et merci pour ce qu'on va continuer de faire ensemble.